It is rare to find a country where both parents and students are so determined to go to school. Les écoles sont soit dans des chapelles, des églises, dans des bâtiments qui n'ont pas été conçus expressément pour faire la classe. More than 1,300 educators lost their lives in the earthquake, and more than half of the schools were either destroyed or evaluated as dangerous. Il y a 16 000 écoles fondamentales, il y a à peu près 1,500 qui pour l'État, toute l'autre au privé. L'école poussée en Haïti comme champignon. Ça veut dire que quand on doit lever, je dis à l'enchambre la Kaili, il dit le montant à l'école. Il doit monter à l'école primaire, secondaire et voie université. Ouais, c'est pour ça tout, un taux de redoublement qui est très très élevé. Il y a doublé, il y a triplé. Donc ils font un effort sur le nom blanc pour ouvrir l'école là, mais ils ouvrent les classes toujours surchargées. Ça veut dire que quand on dit que l'école est déjà très âgée, il est déjà plus grand. Ou jeune des timoun 6 ans, la même classe avec des timoun 10 ans. C'est un domaine qui est toujours négligé par l'État. Même loi, même rapport qui est fait en 2008 sur l'éducation, hein, nous voyons que c'est à peine 2,5% budget qui est attribué à l'éducation. Dans des pays qu'on y a là, c'est 24-30% budget l'État qui pour l'éducation. Le milieu rural, c'est 60% budget en famille, c'est dans l'école là. Sous 100 personnes qui rentrent à l'école, ou à peine 20% qui passent certificat. Le 100 personnes rentrent dans l'école secondaire là même, ils rentrent dans la 6e, qui première année et l'école secondaire, à peine 8 personnes sortent avec papier baccalauréat. Donc ça veut dire qu'on perd de l'argent, on perd de temps. Pédagogie traditionnelle dans le pays d'Haïti, c'est à le réciter, c'est mémoire, c'est pas que. Ou quand on attend des timouns ou quand on passe bon salle de classe, timoun a répété de bagaille, leur poser une question sur salle fin répéter, elle pas contre salle. Il juste répéter pour à le réciter demain, il fait et note. Son bagaille relé Jaco répète. Bon parfois même l'idiot point d'exclamation, il connaît qui page il étudie à et puis le lendemain il vient réciter. Donc c'est pour ça que fait nous perdons un bon petit monde, perdu un bon cerveau, un petit monde crasé. Ou pas capable faire bon l'école, sont pas un bon professeur. En pile là-dedans, ou pas formé. Sac formé, ou pas même touché. Quand des professeurs à l'école qui va même mettre des petits tuyaux à l'école. Ou gagne presque 85% professeurs qui ne peuvent jamais passer dans l'école, qui est l'école normale. Dans toute profession, on ne peut pas lever comme ça, on dit au docteur. On ne peut pas lever comme ça, on brache les dents, on dit que c'est dentiste. On ne peut pas lever comme ça, on dit que c'est avocat. On ne peut pas lever comme ça tout pour dire que c'est professeur. En Haïti, ça fait. Quand il y a un métier enseignant, non seulement les gens ne sont pas qualifiés, ensuite, c'est un métier qui n'est pas valorisé du tout. Ça, nous voyons qu'il y a des gens qui font toute classe, jusqu'à l'être au philo, mais ils ne sont pas nécessairement qu'on parle français ni qu'on écrit français bien. Parce que quand il enseigne, pas parler français, il demande pour enseigner français. On a mené l'année passée toute une réflexion sur d'où viennent les difficultés des enfants. Et donc évidemment, une des réponses des enseignants, c'était la langue d'enseignement. Mais il a fallu vraiment faire tout un processus pour arriver là. Une résistance qui vient justement, c'est parents. Parents et certains directeurs et directrices d'école, ils ont dit que si on ne peut pas parler créole déjà, on a besoin qu'on parle français. Ce n'est pas seulement français, nous besoin parler en Haïti, nous besoin parler français, anglais, espagnol. Parents n'ont pas compris la réalité que lorsqu'on créole l'ambiance, qu'on grammaire créole, qu'on schéma langue sur le plan scientifique, esprit ouvri pour capter leur langue. Tandis que je n'ai pas compris créole français qu'on y est là, ma suivre dans 10 ans encore, n'a pas la même réalité, si on n'a pas compris français. Puis mal toujours, parce que n'a pas compris français avec des mots vides de sens. Le parent a commencé à pouvoir enseigner, fait en créole et puis si on n'a pas parlé français quand même, il a vu comprendre, il a vu croire.
Parce que c'est un problème de confiance qui gagne. Faced with this situation, which is a major cause of underdevelopment in the country, a group of citizens, men and women, from all walks of life, and willing to gather strength to help the Haiti Future Association. They are determined to find solutions that will save the Haitian education system while profoundly transforming its approaches and results. Haiti Future Association is a small organization without major financial backers, but with a true motivation and widespread on-ground implementation. They were able to bring and develop an innovative idea and have struggled to impose the interactive whiteboard while building a unique experience. Regardless of poverty, educational quality can be achieved when you help kids think and construct their own point of view. What is an interactive whiteboard? Nous proposons depuis 4 ans là, depuis 2010, une méthode qui est basée sur l'expérimentation pour tout le monde expérimenter ça l'a fait avant d'aller étudier. Une méthode qui est basée sur un tableau numérique interactif, sur un vidéoprojecteur avec un stylet, côté tout le monde a agi, a gardé ça le fait, même cool qu'on a étudié, il vient concret pour lui qu'on y a. Il vient web à la ou à fait devant, il comprend avant d'aller étudier la caille. Parce que c'est exactement les mêmes comportements qu'on peut avoir avec un smartphone ou un laptop. Hein. Et les enfants, ainsi que les professeurs, très vite comprennent le mécanisme. Ils comprennent très vite que cette surface, c'est une surface sur laquelle ils vont être appelés à réagir. Donc ça permet d'inventer des exercices nouveaux ou de présenter de manière nouvelle, de façon animée, avec différents scénarios où on va demander aux élèves de venir au tableau et de proposer de répondre à des questions ou à des exercices. Nous faisons ICAISA et nous mettons au tableau numérique, en ordinateur, projecteur dans ICAISA et Timoniote dans tente qui était là. Et ça te permet de nous lancer l'idée que l'éducation numérique, même dans les zones qui paguent en rien, qu'a fonctionné. Et nous, notre choix, c'était de dire: on va commencer par les endroits les plus difficiles, et si ça marche, on sait que ça pourra marcher pour toutes les écoles. Instead of finding areas with electricity, Haiti Future opted for faraway places where there was nothing. These are areas where international organizations don't usually go. This is where they wanted to implement high-tech solutions. Le tableau numérique est intéressant dans le sens que nous divorçons avec l'aspect traditionnel. Parce qu'il n'y a plus un manuel où on suit un cours théorique. Après quelle leçon là, côté m'a dit mon ensemble bonnie, faut la étudier moi, c'est yon non. Ce qui est projeté au tableau, c'est vraiment des cours qui ont été déjà pensés par des spécialistes de l'apprentissage, par des concepteurs pédagogiques. Donc la progression même du cours fait d'abord observer, invite au débat. Donc, c'est des images qui sont projetées avec des consignes, puisqu'on ne demande plus de réciter quelque chose. Là, on demande de critiquer, de réagir, de choisir. En plus de ça, il vient avec des éléments de technologie moderne. Il vient avec couleur, il vient avec vidéo, il vient avec son audio. Donc, si mon guichita dans le fond de classe là, et qui ne comprend rien, couleur animation, lui-même ou déjà capté imagination, élève lui-même, qui ne peut pas apprendre par cœur. Qui n'est pas capable d'un système jeune, qui a l'autre forme d'intelligence, mais lui-même, l'humain, tient pour le cerveau pâle. Donc c'est un système qui vient, qui t'a presque remplacé un laboratoire dans l'école, parce que ouais, exercice qu'il a fait. Si maintenant, l'a étudié en plante, lui, ouais, plante là. L'a étudié racine, là, ouais, racine là. L'a gardé sève là, qui a monté dans plante là. Si maintenant, ouais, pied bois, a grandi. Si maintenant, ouais, Koli, il a enseigné quoi humain, tu m'en as pas squelette là, il y a cœur à respirer. Donc, professeur, il y a un droit de montrer 80 timoun un enseignement de qualité. Même timoun qui tout petit, qui soit en préscolaire là, ou bien qui soit en première année, leur soit il apprend un bagage que le reconnaître l'environnement, l'apprendre plante qui l'a milieu, l'apprendre bête qui vivre la milieu, l'environnement. Donc, leur soit il est à l'aise avec ça. Li kap observe, li kap observe la caille, li ki pye bwa le gagnen. Ou par exemple, en côté nous est là, ti moun nan fait jardin avec l'école li. Donc li pa peur allemand inter encore parce que le wèl sou tableau a. Le tableau numérique permet l'utilisation d'autres logiciels, donc comme Encarta. Ça amène des ressources supplémentaires. C'est un paperboard aussi vraiment amélioré. On cap du éducation ça, objectif li,
C'est comme on dit, ce n'est pas seulement instruction. Hein? C'est pour tout le monde épanoui, c'est pour tout le monde à l'aise. Je dis, il faut à l'aise en peau, il faut à l'aise en corps, il faut à l'aise en tête. Il parle avec les testimonies, il débat, il dit pas d'accord, d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde, depuis le petit, il n'a pas pris toute bagaille, ça, toute technique de démocratie. Parce que quelqu'un doit dire pas d'accord, mais il faut expliquer pour ça, pas d'accord. Donc, son bagage complet net, et pour quoi tout le monde, et pour l'esprit, et pour l'intelligence, li, qui pour permettre de réfléchir à tête, de réfléchir ensemble, et puis coopérer tout. Et c'est pour ça que nous commençons depuis petit. Donc nous voyons que le premier bazar, le bâtiment, c'est le bazar pour solide. Puis gros investissement qu'on a fait, j'ai investi dans tout le monde. D'habitude, on n'aime pas être interrogé à l'école. On ne veut surtout pas qu'on vous appelle et qu'on vous envoie au tableau. Là, ce que j'ai pu voir, c'est que on va même... On veut, tout le monde lève la main, je veux aller pour montrer, enfin pour répondre à la question. Il y a même plus rendement tout, les mal sous cahier. Et puis depuis me paraît, même lorsque je peux avoir un nombre avec vous, à l'aide de exercices que vous faites sur le tableau numérique là, et puis je dis 9, si je dis combien de crayons qui égale à 9, vous avez compté le bon moins. Si nous sommes très remis tableau, si on joue que ce n'est pas jour pour travailler sur l'IAV, c'est chaque mardi que je travaille, je demande à Mme Remot côté et tableau numérique là. Et parfois tout, il y a quelques recherches que j'ai besoin. Ce n'est pas un jour de travail, m'obliger à travailler sur les malfaits recherches là. Et toute votre professionnel à l'école, l'autre utilisé. Quelques recherches ont besoin de travailler sur. J'apprécie beaucoup cet enseignement avec le tableau numérique. C'est comme apprendre dans la joie. Comme nous accompagnons méthode là avec des guides. Pour professeur, nous essayer de mettre des questions pour nous dire, professeur, mais qui ça vous poser. Comme si Mdadjo, c'est une méthode qui vient rentrer comme un jeu, donc pas grand pile résistance à ça. C'est au fur et à mesure, Mdadjo que le bouleverse tout le bagaille d'un coup, mais moi, quoi que, le fait que, par exemple, le grand coup qu'a fait enseignant, sorti, il vient avec fouille en classe là. Vous comprenez, ça a aidé un enseignant à faire des bagailles que vous n'avez pas habitué à faire. Pour professeur bon côté nous sentons que nous content et nous fier tout parce que nous apprend tout, nous découvrons un pile belle bagaille. Et d'après moi, nous sentons que nous aurait dit moins. C'est plus facile parce que nous seulement gain stylet ça, que n'importe ça n'a fait sur tableau qui comme un crayon, nous capable écrire avec lui. Si nous besoin effacer, gain plusieurs outils sur tableau, nous capable écrire avec lui. Il y a deux matériels que ma travail m'a besoin, pas connaît, me venir sur lui. Et puis le son et autour, façon que vous préparez, c'est satisfaisant. Vous passez de abstrait à concret. Et en plus de cela, ça aide moi-même tout, qui c'est professeur là. Parce que l'MT l'école m'a joué un privilège ça. Au niveau de la conception pédagogique, comme c'est un métier nouveau qui n'existait pas en Haïti, nous avons dû commencer par des spécialistes en France, des concepteurs pédagogiques. Nous avons travaillé avec une société du groupe Nathan, numérique, qui s'appelle Paraschool. Et dès la deuxième année de pratique du programme, nous avons demandé un transfert de technologie et de compétences vers Haïti. Donc en Haïti actuellement, nous travaillons avec une équipe, avec l'école infotronique d'Haïti et avec Fier Haïti, pour pouvoir développer des cours numériques en Haïti. Et nous avons aussi des équipes dans le nord du pays pour pouvoir apprendre ce nouveau métier pour développer des contenus numériques sur place en Haïti. Alors, le travail qu'on a fait dans le cadre du projet ça, avec l'équipe conception qui montait là, c'est créer quelques contenus en langue créole et en même temps former les gens qui ont fait contenu numérique ou tableau. Nous concevons d'abord l'idée par rapport avec l'objectif que nous relevons dans le curriculum d'État et ministère, c'est création écran même. Mettre différentes images. Nous-mêmes, nous suivons tout ce que le ministère a dit pour faire. Le ministère a dit, dans les deux premières années de l'école fondamentale, il faut enseigner en créole. Après ça, cours français, son cours français, communication orale. Donc nous-mêmes, ça nous fait, comme nous connaissons, même si le ministère a dit ça, mais trois cas l'école, et plus que 80% de l'école, c'est privé, au café ça vous voulez. Donc nous-mêmes nous faisons cours et en français et en créole. Nous avons la importance en pile sur tout pays qui a utilisé tableau numérique pour enseigner ces mots. Quand on parle de développement durable, quand on parle de politique durable, eh bien, l'éducation est au cœur de ce mouvement parce qu'on ne peut pas faire de génération spontanée avec l'éducation. On ne peut pas faire une bonne éducation sans enseignants préparés. Or, la préparation des enseignants déjà demande un investissement.
Et donc, pour révolutionner l'éducation en Haïti, il faut former les enseignants. Haïti Futur et Planète d'Urgence, toujours, kembe professeur yo, et sous formation, une façon pour apprendre ti moun yo mieux et chaque jour. Nous avons formé environ 300 enseignants. Déjà, en formation continue pendant les vacances scolaires. Et actuellement, nous travaillons aussi avec des écoles normales pour pouvoir justement introduire une sorte de certification au tableau numérique dans le curriculum des écoles normales. La formation d'enseignants qu'il faut prévoir, elle est de deux types. D'une part, au début, les outils numériques, l'ordinateur, et ensuite, une formation continue dans l'utilisation des cours plus pédagogiques. Les ressources telles qu'elles sont conçues là, avec le livre du maître, avec les ressources pour les élèves, ça permet aussi en fait une formation de l'enseignant. L'enjeu, c'est de pouvoir travailler et de donner des outils aux 100 000 enseignants qui aujourd'hui donnent des cours tous les jours. Les professeurs ont besoin de préparation, mais ils n'ont pas besoin d'une bonne connaissance technologique parce que la méthode là très facile. Le tableau numérique là, tout le plus EDEM. Non, informatique là tout. Inviter quelqu'un au changement, c'est pas toujours facile. Inviter quelqu'un à changer la façon de faire, si on croit que ce qu'on a toujours fait, c'est meilleur que ce qu'on peut faire, non, mais l'enseignement numérique peut faire un pas en avant. Tant que Benjamin Franklin dit, tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je retiens, tu m'impliques, j'apprends. Donc c'est par implication ça que nous avons un meilleur apprentissage. Et c'est un bagage que le tableau numérique là, les mêmes les offrir nous, qui est fondamental. Dans le même cas d'implication, ou si vous regardez dans l'espace, vous pouvez avoir un petit piment qui a poussé, vous pouvez avoir un petit papa, vous comprenez. Ça, c'est Timonio encore. Et puis, vous remet manipuler tout. Vous connaissez avec le tableau numérique là, Timonio, vous pouvez déplacer l'image, les gens vous voulez, mettre le côté vous voulez. Et puis, ça permet à Timonio tout, dans l'apprentissage, de venir plus bien. Puis bien comprendre ça que le professeur lui-même l'a enseigné. And parents want in on the equipment that allows them to participate in school activities. Tableau numérique la monter un petit monde sale pas ouais et puis li vinn ouais sur tableau numérique. Ça montre petit monde yo moi bien intéressant. Les petit monde arrivé là caille pour montrer parents né. Ça montre là et puis les petit monde arrivent l'autre côté tout le pas timide. Et puis, il bien capté ça, il montre l'école là. Et puis, ça balance pile à petit. Il dit parfois que l'équipement coûte cher. L'équipement coûte cher à l'achat. Mais après ça, pour bénéfice que vous avez besoin de l'équipement, il n'y a pas camarade tout l'argent qu'a dépensé dans le pays hein, par rapport à rien. Parce que le ministre de l'Éducation a dit la semaine passée hein, que chaque année, le ministère a dépensé 10 millions de dollars américains pour livre, pour acheter livre. Mais nous voyons bien que. L'habituellement, tu dis, après le tremblement de terre, il te gagne 200 millions de dollars américains pour l'éducation dans le pays. Bon, l'agence n'a pas même dépensé. Et la Banque mondiale tout gagne des millions de dollars pour l'éducation. Si l'agence a été mise ensemble, là, il a financé 16 000 écoles fondamentales, là, il a équipé en équipement et numérique, formé professeurs et électrifié l'école yo, avec électrification solaire. Et puis là, ça va faire un investissement pour longtemps. Et puis, ce système d'éducation, ça a fait tout. Son système, ça porte une révolution technique, une révolution éducative, une révolution humaine, une révolution sociologique, tout. Parce que parents, ils viennent rentrer dans la salle de classe, là, ils participent tout. Ou même système, ça, vous mettez la journée, ils font l'école, après-midi avec Assoué, c'est adulte qui vient. Mais nous utilisons le tableau, ça, tout pour nous faire formation pour agriculteurs. Pour nous faire formation pour construction, pour boss maçon, pour boss charpente. Parce que depuis après tremblement de terre, nous tout ouais ça qui est passé après tremblement de terre, nous finissons par comprendre pas qu'être monde qui était mort en Haïti, c'est pas le problème tremblement de terre qui est, mais c'est une mauvaise construction, une mauvaise pratique dans la construction qui tue tout le monde ça. But most schools don't have electricity around the clock. So how can the system function? Et on sait que pour l'électricité aujourd'hui, il y a des solutions. Ce sont des dispositifs qui demandent pas beaucoup d'énergie. Le vidéoprojecteur fait 330 watts, donc avec deux ou trois panneaux solaires, on peut faire fonctionner toute la journée, 10 heures par jour, un équipement. Le solaire ou qu'à dimensionner solaire là en fonction des besoins. Donc maintenant, chaque école, c'est dans un cas spécifique qu'on peut l'étudier, mais on peut gagner des formules et des formules package. La maintenance, c'est la maintenance de l'ordinateur, la maintenance du vidéoprojecteur.
et de l'installation solaire. Le constructeur de vidéoprojecteurs nous aide en termes de pièces de rechange, en termes de formation également d'un technicien qui a formé déjà 5 techniciens en Haïti, capables de démonter entièrement un vidéoprojecteur, de changer toutes les pièces qui tombent en panne et le remonter. C'est du matériel assez robuste, qui est accroché au mur, qui n'est pas secoué, qui ne tombe pas facilement en panne. Each technician follows 5 schools. They regularly communicate with the teachers and sit in on some of the classes to make sure that the material is being properly used following up-to-date ICT methodology. Pour maintenant cela, nous toujours une mise à jour qui n'a pas fait. Les cours au film préparé, Haïti Futur voué, Baba nous sur le terrain, moi-même, je partage avec tout le staff technicien pour faire des mises à jour sous ordinateur. Nous suivons plusieurs formations avec nos Français, qui Haïti Futur vous voyez en Haïti spécialement pour ça. Avec la formation, ça, nous arrivons à réparer n'importe panne que vidéo projectée. Le ministère de l'Éducation nationale et puis des travaux publics envisage l'électrification de 500 écoles avec l'appui de la Banque mondiale et d'Électriciens sans frontières. Donc 500 écoles, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'il y a quand même 16 000 écoles fondamentales en Haïti. Mais si on arrive déjà à passer ce cap-là, j'espère qu'on pourra envisager demain 5 000 écoles et pourquoi pas plus. En tout cas, l'énergie, je dirais, on en a avec le soleil autant que l'on veut. Les solutions d'électrification solaire sont assez simples à mettre en place. Maintenant, entre 5 et 10 000 par école, ou su que vous gagnez une école qui est autonome au niveau énergie, qui n'a pas besoin de connexion à EDH, qui n'a pas besoin d'utiliser génératrice solaire là, à bailler l'école la courant à 100%. Normalement, entre 3 ans et 5 ans, ou qu'a amorti un système solaire. Après ça, vous connaissez que le système solaire là bon pour 20 à 25 ans. À peu près chaque équipement, il servit pour centimes. Oui. À peu près 2 classes. Au lieu pour chaque monde un téléphone, ou bien chaque monde un tablette, ou bien chaque monde un laptop, pour progresser vers là. Donc, je pense en réalité que c'est une bonne porte d'entrée à consommation d'énergie vraiment très basse. C'est à peu près 15 000 timounes qui bénéficient de programme là qu'on y a. There's been a lot of talk about public-private partnerships. This program is a good illustration. Never would it have happened without everybody working together. Teachers, educators, heads of public and private schools, as well as associations involved in these areas, all with one objective: make education the building block of reconstruction. Son partenariat privé, public, associatif. Nous encourageons en pile l'association locale. Par exemple, là, nous travaillons avec une association paysanne à la montagne. Nous avons travaillé avec des ONG qui sont présents dans le pays comme Planète Urgence, comme un pilote ONG qui l'a. Et puis nous voyons que si nous mettons toute façon ensemble, tout le monde qui croit à l'éducation, nous avons son bagage qui a marché. Et puis plus l'État, parce que c'est l'État, c'est le travail de l'État, oui. En Afrique, en océan Indien, il commence à développer tout, mais c'est dans l'île Maurice que le PIB développait. Puisque là, c'est le Premier ministre avec le ministère de l'Éducation qui décidait que toute classe de l'école faut y passer sous tableau numérique avant 2015. Donc, mais là, il y a une volonté politique pour que toute classe y profite. Bon, l'île Maurice, ce n'est pas un gros pays tout, donc il est plus facile tout. Mais il y a 8000 classes dans toute l'île Maurice là, et toutes 8000 classes à équiper avec tableau numérique. C'est ça qu'on appelle volonté politique. Quand on parle de volonté politique, eux disent, eh bien, toutes les classes seront des classes numériques d'ici 2015. In 2014, the Minister of National Education determined that educational challenges weren't only quantitative and organized the National Conference on the Quality of Education in Haiti. Nous avons dit à peu près qu'il y a là, plus, environ 150 tableaux qui sont installés là déjà dans le pays. Et puis, il y a un déploiement qu'il y a fait avec l'autre 500 qui là. Il y a une grosse école qui a mérité plusieurs installations. Petite école, à couper sur l'équipement, il y a dégagé. Mais si vous avez une grosse école qui gagne 800, 900 timounes, on n'est pas obligé de gagner plusieurs installations. Avec 100 millions de dollars, on peut équiper presque toute l'école Lyon. Ce n'est pas au bail qui est impossible. Mais ça veut dire qu'il faut gagner une concentration investissement sous qualité A. Vu le retard que nous avons gagné, l'État a fait
te cap font gros effort pour arriver jusqu'à 20% budget déjà. Éducation le coûtait cher. Mais pas gain plus bon investissement passé éducation. Par exemple, si vous investissez dans éducation, Timounio en 2-3 ans, il peut apprendre ça, il ne peut pas apprendre en 10 ans. Timounio il ne peut pas apprendre 10 fois plus vite. Donc au final, il coûte moins cher. Si vous n'avez pas bon école pour former bon citoyen, vous n'avez pas bon pays, vous n'avez pas bonne nation. Si vous avez besoin d'acheter vidéoprojecteur, si vous avez besoin d'acheter ordinateur, tableau, estrade, pour que tout Timounio ait, il faut dépenser presque 3 000 $ pour bailler ça. 3 000 $ américains. Mais vous connaissez que il y a plusieurs classes qui ont profité de lui, et ces classes qui ont gagné 50, 70, 80 timons. Lit cher pour l'école là, mais budget l'État, tu es capable d'investir beaucoup plus dans l'éducation. Soit vous gagnez le choix, soit vous construisez l'école, soit vous n'êtes pas obligé de construire une prison. Donc à petite échelle, nous réussissons là, mais si nous voulons, par exemple, toucher toutes 16 000 écoles dans le pays, il faut gagner un investissement gouvernemental beaucoup plus lourd. Il faut n'entendre pas mettre un budget pour ça, parce que pour arriver et étendre en disant tout pays, dans toute section rurale, et on connaît ça à côté, il faut que tu ailles prévoir, revoir ça dans le budget national là, parce que c'est un appareil qui est très intéressant. Et si on est capable de mettre dans tout le pays, c'est plus gros cadeau que Haïti est capable de bénéficier parce que vu l'éducation à Caïque que nous avons autrefois, qu'il y a même des gens qui sont en dehors, qui ne jamais connaître ça qui est l'ordinateur. Même professeur, tout le professeur de nos jours qui ne peut jamais connaître ça qui est l'ordinateur. Je dis à me rendre compte que dans le département sud-est, même bien ça doit arriver dans tout le pays, que toute l'école, particulièrement les écoles nationales, qui sont des espaces qui étaient plus ou moins manqués matériels, il faut que nous t'arrivons à mettre des tableaux numériques, mettre formation pour enseignants dans toute l'école publique. Quality education is possible for all today and now in Haiti. It is not only possible, it's crucial for all girls and boys, children from the cities and the countryside, and children from well-to-do as well as poor families. New technologies, such as a smart board, can allow us to overcome all types of challenges. However, there are neither fatalities nor technological miracles, only real political vision, aided by the rallying of the private citizens, will allow us to find the means to guarantee key factors to succeed a national educational policy. It is a possible and realistic way to definitely break the cycle of mass poverty and the degradation spiral. That is what the ongoing interactive whiteboard is teaching us. Haiti's true revolution is quality education for all. Mettez l'école, ma pote panier sous tête, moi, mettez pour me payer l'école. Eh bien, qu'on y a là, c'est lui-même qui a payé. L'homme qui a un petit garçon, parlez à la fève à cabon. Aidez-moi pour nous aider nous tous.